Opportunité là pour me servir pays à un autre niveau. Et moi souhaiter que m'a gagne bénédiction sénateur ici hein, pour mal fait travail là. Vous passez comme inspecteur général de la police, en inspecteur en chef et en bon carrière dans niveau ministère des Affaires étrangères. Donc à un autre niveau je ne jodia donc ou espérer donc avec nouvelle donne y ouvre la diplomatie pays donc on va chercher investisseurs pour un ensemble d'engagement pour notre Haïti. C'est travail nous pour nous faire en sorte que politique extérieure au service de politique intérieure. Et en tant que chef de mission, une première obligation nous tout, c'est faire en sorte que priorité gouvernement applique. Donc, en tant qu'ambassadeur, c'est une première mission que m'a gagné tout dans le cadre politique extérieure pour me faire l'appliquer dans la juridiction qui c'est Chili. Est-ce que vous avez un bilan déjà comme chargé d'affaires? Oui, mais je fais un bilan, je suis chargé d'affaires l'année dernière. Je fais un bilan que je voyais par le ministère des Affaires étrangères à la fin de l'année dernière et je fais un plan d'action pour 2012 avec des objectifs précis sur 4 axes de travail qui vont permettre que je me présente de préférence demain parce que et mardi prochain, la séance avec honorable sénateur, c'est un impair que je me présente à la presse sans que je beaucoup parler pour dire ce que je pense de lui. Vous avez parlé de bilan même sur le papier perspective? Oui, bilan, un peu de mots, c'est que je me charge d'affaires dans une condition spéciale qui fait que quelque part, je veux un héritage qui dure. Je suis obligé ou refait ambassade là, en termes de structure à tous les niveaux. D'ailleurs, j'étais pour compte moi pendant longtemps. Et là, quand il y a le plan que je fais pour 2012, je définis 4 grands axes de travail. J'ai besoin des diplomates. Actuellement, nous avons 4 diplomates qui sont bons. Je suis attaché culturel pour prendre tout axe politique et culturel ensemble avec moi. Je suis responsable des questions économiques et commerciales qui peuvent travailler avec moi justement pour recherche d'investissement, promotion commerciale, etc. Je suis responsable des affaires consulaires parce que nous avons une communauté qui a grandi sérieusement au Chili de plus en plus, qui passait là plus de 2000 personnes en peu de temps. Parce que pendant longtemps, Haïtiens ont ignoré l'Amérique du Sud, ils ont ignoré le Chili. Et d'un coup, ils ont découvert que l'Amérique du Sud existait, qu'il y a des possibilités de l'autre bord. Les Haïtiens ont venu, ça fait que. Et on connaît que la principale fonction, n'importe qui diplomate, c'est protéger l'intérêt pays à l'extérieur. Or, moi, je définis Haïtiens à l'étranger comme le premier intérêt pays à l'extérieur. Donc, au Chili, c'est tout à fait normal que l'axe travail, ça qui s'est consulaire, est important pour moi. Et traditionnellement, l'ambassade là, c'était documentation qui était qu'on a fait. Donc, on fait plus que volet documentation, hein, à savoir qu'on volet protection qui est important et on volet communautaire parce que si je n'ai jamais dit dans un pays voisin, on va les citer. Haïtiens maltraités, c'est parce que les ont été faits commencer à priver dans le pays, ça y a pas de gain diplomatique avec eux, y a pas de gain. On nous dit l'État qui accompagne l'organisation et la prise de conscience en tant qu'Haïtien dans le pays étranger pour qu'ils défendent l'intérêt. Et nous ne pas souhaiter que demain, nous ayons la même situation dans le pays de Chili. Donc, bref, un peu de mots, je voulais déjà explorer, entrer dans la question, je vais le présenter la semaine prochaine. Mais en termes de bilan, c'est que sur le principal axe, c'est un bilan qui est positif, que je présente le ministère déjà. On dit par exemple, il y a des efforts qu'on a fait pour mettre secteur, pour retourner avec le secteur touristique. Là. Donc, il y a des efforts qu'on a fait dans ce sport pour mener des étrangers ici, etc. Certainement, ça fait partie de l'axe que nous relais économique et commercial. Là. Dans le volet économique, là, il y a une recherche d'investissement qui est fondamentale et le secteur touristique, là, c'est un secteur prioritaire. Et dans le bilan, nous, il faut me dire que, et moi, je prends contact déjà avec deux grands tours opérateurs. Faut nous connaître que, pour nos questions touristiques, là, on nous dit trois éléments qui sont importants là-dedans. Ou bien ça y aurait les agences de voyage, les compagnies aériennes et les tours opérateurs. Sans tour opérateur, ou pas un touriste qui vient là. Donc, je prends contact avec deux plus grands tour opérateurs au Chili, à savoir ADS et Touristique. Je fais contact avec eux et ils disposent de venir ici. Tu es venu déjà. Mon question de problème de calendrier, de disponibilité, nous renvoyer date là. Donc, nous allons travailler là avec eux pour nous refixer l'autre date pour venir ici. C'est des bagages. Diplomate là, il y a un bout de parle. Le premier job, c'est faire la venir. Et le job qu'on a là, ici, à savoir le ministère de l'Intérieur, le ministère du Tourisme, le ministère des Affaires étrangères concernés, c'est convaincre qu'effectivement, il veut venir. Bon exemple. Si moi, je dis que le cadre tourisme multidestination, on est qui vient de Saint-Domingue, font gens pour venir en Haïti. Vous comprenez? Et M. Gélan, là, je me rencontre, il y a une dame qui vit pendant longtemps en République dominicaine, qui a des idées préconçues sur Haïti. Moi-même, je vends le pays carrément pour qu'elle vienne. Mais à partir du moment qu'elle vienne, prise en main de l'aéroport à l'aéroport doit être faite. Donc ça m'a donné une réelle coordination entre l'ambassade en aval et les services centraux ici en Haïti en amont. Nous recevons des poupiers 100 000 matin hein, et il y a un bel panel là, un peu sénateur de prison. Et nous prévoit, vous connaissez la première phase,
le président finit écrit recevoir des pour des pièces dans mes récipiendaires là et puis qu'on y a rapidement on gagner pour projeter on date pour séance d'audition et il c'est projeter le demain mais comme demain gagner une délégation de parlementaires latino-américains qui viennent ici nous estimons que demain n'est pas approprié parce que n'a gagné une journée surchargée et comme moi-même comme président commission affaires étrangères moi gagné c'est moi pour recevoir mon yo donc nous t'ai dit n'a voyer pour mardi donc assurément et séance d'audition pour les quatre et candidats ou bien les quatre personnalités désignées par le président de la République pour devenir ambassadeurs et respectivement avec Jean-Baptiste pour le Chili et Fouchard pour l'Allemagne et nous gagnons Ralph Latortue pour le Japon et nous gagnons Carl Henri Guito pour le Saint-Siège c'est-à-dire en Italie pour l'Italie donc ces quatre et candidat ça va gagner demain matin et mardi 10h pour présent là dans salon diplomatique là et pour assister en, pour subir une séance d'audition les questions de nature diverse et maintenant mandez pour préparer pour que vous capable répondre à toutes questions généralement quelconque que sénateur a éventuellement pour poser donc en gros c'est ça et après séance d'audition qu'on est rituel là c'est préparation du rapport qui va être soumis et à l'appréciation de l'Assemblée au fin des discussions et de vote. Et à ce moment-là, on connaît qui est ce monde qui est ambassadeur, qui n'a pas grillé, et qui est ce monde qui est tombé, qui n'est pas ambassadeur.